Et yo tout le monde, c'est Ferox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les gars, pour la découverte d'un jeu qui m'a été envoyé par Gameler. Il s'agit de Plumbers Don't Wear Ties Definitive Edition, un remastered romantic comedy, press to start. Enfin bref, vous m'avez compris, un jeu qui a priori est en anglais comme d'habitude, hein. Moi vous savez que je trouve ça énormément négatif des jeux qui sont pas en français, donc déjà pour un point négatif, il n'y a pas de français. Encore la langue, je te dirais, il y aura au moins les sous-titres français, c'est pas le cas, voilà. Et en plus, on a que du mono en audio, voilà, c'est à total. Et on a des bordures. Non, voilà, on va laisser comme ça, de toute façon, il n'y a rien. Et on a plusieurs trucs qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Donc on a Start Game, Play Through the Classic, Tale of Romance and Intrigue, or Pick Up Where You Left the Adventure, off to earn your high score and earn some plum bucks. Je pense que vous avez tout compris, d'accord, moi non. Ensuite on a Plumb the Depth, Discover the Production Secrets, Unlock the Full Motion Truth, and Spend your hard earned plum bucks in the new 3D maze. When trip is not enough. Ok, j'ai tout compris. Bah, on va rester en game classique, hein, d'accord, voilà, résume ou start new game, bah start new game, hein, jamais joué. Are you sure you want to start a new game? This will erase all of your story progress. Yes. We recommend watching the developer forward before playing for the first time. Would you like to watch? Bah non, en fait on s'en branle parce que c'est en anglais. Hi, my name is Jane. We hardly know each other, but that's enough. Bonjour mademoiselle. You're gonna get to know a lot about me, maybe even more than you imagine. This whole thing's kind of like a blind date. I mean, here we are in your brand new Corvette, riding along the Superinformation Highway. Ok, je préfère poser mon jeu. Non seulement c'est pixelisé, mais en plus de ça, c'est pas en français. Et c'est pas synchro. Just imagine watching me get propositioned by my sleazeball boss. Why, you could even make me strip for him. But if you make the wrong moves, you could turn me into a nun. Imagine that, me, a nun? I don't think so. But it's really all up to you. God knows what you'll do with that hot little mouse of yours. Point is, ça aurait fait scandale, donc c'est pour ça qu'il faut pixeliser. Par contre, ta gueule, j'aimerais jouer. Warning, the game you are... Vas-y, c'est bon, frère. Putain. Back to game. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ok. Ok, donc là ça commence. Belle petite musique. Ouais. Ouais. Don't keep me in suspense. Give me the full story. Whoa, déjà vu. Don't keep me in suspense. Whoa, déjà vu. I've seen this already. First decision, okay, please. Ok, donc en fait, c'est juste. Don't keep me in suspense. Don't keep me in suspense. Give me the full story. Ok. Donc ça c'est avec la blonde. Whoa, déjà vu. Don't keep me. Ok, on va commencer par le premier. C'est un peu bizarre hein, comme jeu. Produit par Michael Anderson, très content, avec In Alphabetical Order. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je suis pas du tout fan des jeux comme ça. Déjà, il y a un truc qui va pas avec la couleur, je sais pas si c'est normal. Paul Bocor as Fisher. Oh non, j'appuie sur restart. Oh non. Alors on peut change image, c'est-à-dire j'appuie sur Y, vous voyez, et ça enlève le pixel, ça met un flou à la place. Putain les gars, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parti.
rassurez-moi les gars, il y a vraiment des gens qui payent pour des jeux comme ça. Parce que là, là vous, c'est un peu carrément du pixel. Faut surtout pas que j'appuie sur LD parce que sinon ça fout tout au début. C'est tellement bien fait que bah, c'est pour me casser les couilles en fait, tout simplement, hein, les gars. Moi je cherche à comprendre. Hein. Je suis pas avec ça. Bon, à part entendre des vroom-vroom en arrière-plan, là, il se passe quoi? Miller qui m'ont restreint mon compte parce que je dois tester ces jeux-là. Ah mais les gars, enfin là c'est pas un jeu pour moi. Là, par rapport à ces images, c'est ce que je vois quoi. En fait les gars, on dirait un mec qui est parti, je sais pas, en vacances où il a été voir une course de NASCAR et qui a pris des photos. Il a fait l'image en mode je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, inversion des couleurs, mais c'est un autre nom. Et en fait on est en train de visionner ces photos parce que là je vois pas en quoi c'est un jeu. Au bruitage, bien évidemment. Ok, on se réveille. Alors, je sais pas lequel est le mieux entre le pixel et le flou. Dans les deux cas, l'image est dégueulasse. Yeah, it's me. Leave your message at the beep and I'll come back to you. Your mother. Now get your ass out of bed. Bon, à part voir des essais de poilu, sinon, y a pas de gameplay dans le jeu. C'est quoi ce truc? Yeah, ma. What are you wearing today? My birthday suit. Very funny. I want you to wear that nice tie I bought for you. Polka dot tie? Get out of here. That sucks. What did you say? It's seersucker. I hate seersucker. Polka dots are il not. Il parle dessus sans plus. Wear it. It'll make a good impression. On who? Rats? Ma, I'm a plumber. Remember? Just do it for your mother. Ma. John. Yeah. Okay. Okay, whatever you now, want. Now, what have you done with Amy? Oh God, her boil. Bon, allez là, mais il y a pas de gameplay dans le jeu. Why haven't you asked her out? Ma, I think it's pretty obvious. What did you say? I said she's pretty, but it's obvious I haven't had time. Well, you better make time, mister. You two are perfect together. She'll make a nice little homemaker. Mark my words, it's a match made in heaven. I think I'll wait till I get there. Stop smart mouthing with me, young man. Why is it I haven't seen you with any woman? Why is that, John? Don't you like women anymore? J'espère que anymore? Ça vous passionne, les gars, parce John, que are you gay? Personnellement, no, ma, je vous l'avoue, je suis en train, je suis sur mon téléphone. Je vous l'avoue, les gars, ça commence à être un peu long. Bon, vous doutez bien que ce jeu ira d'office dans les jeux de merde, parce qu'a priori, il n'y a pas de gameplay, c'est même pas en français, on comprend rien. I was gonna marry three at the same time, cheaper in the long run. Figure at least one will last me a lifetime. It's like the warranty they give you when you buy. Par contre, on est d'accord, dans les options au début, on avait les sous-titres. Ils sont time you got married. You need children. I need grandchildren. I need my only child to bear fruit. And in my lifetime,
Don't you love your mother? Ma, just drop it, okay? No, I won't. Amy's perfect for you. Poor thing's just waiting for you, John. She's not my type. And what is your type? Some biker slut? You hate me, don't you? You hate my guts. Well, don't you? Go on, admit it. Ma, it's just... I'm sick and tired of your excuses. Now I'm having Amy over for dinner tonight, and I want you there. Well, I'm busy. You be there at 6 sharp, mister. Ma, you're making me late for work. Love you. You hear me, John? I said 6 sharp. Bye. I'm expecting you. Le retour des aisselles pollues. Chien. Hello. Jane? Jane? You there, Jane? Hello, Daddy. Where are you, Jane? You called me, Daddy. Don't you know where I'm at? C'est très chiant, les gars. Franchement. Now where the hell are you? I'm home, Daddy. What the hell are you doing home? Earth to Daddy. C'est des images fixes et ça parle derrière, on ne comprend rien en fait. Yet, c'est ça, truc. That last scene, that bitch of a mother told her son to have kids. Now I'm telling you, I want some too. Your clocks are ticking. Now why the hell haven't you been productive? I haven't had time, Daddy. For Christ's sake, girl, how long does it take these days? You ain't that busy. Now, damn it, Jane, you get on the stick and make some babies for your poor old father before he dies. Honey, why don't you come down to the lodge with me Friday night? The lodge? Those guys are all geeks and dorks. Yeah, well, maybe they're geeks and dorks, but oh la 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 la. Je sens que cette vidéo va pas durer longtemps parce que ça va me gaver. New job? What happened the last one? Oh, all the guys kept hitting on me. Comment, en quelle année, les gars, on peut se dire... On va faire un truc comme ça et ça va plaire aux gens. À quel moment? Plus qu'on voit une grosse paire de couilles. D'ailleurs, les gars, ce qu'il faut savoir, là c'est un peu plus intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu il est 18+. Non, je pense pas qu'ils vont faire ça. Allez, bâtard. Bon, bah voilà, je vous laisse profiter. Hein. Non, mais bordel. Pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En tout cas, très sexy la dame, les gars. Pas se cacher. Hein. Ah, je pourrais passer à travers l'écran, je la rejoindrai, les gars. Ça y a pas de souci. Par contre, lui, on s'en bat les couilles, dégage. Enfin, bref. Mais moi, je suis en train de me dire, en fait, pour faire ça. Ils se sont vraiment pris en photo à poil pour mettre ça dans un jeu. Enfin, un jeu, si on peut appeler ça un jeu. C'est totalement débile. Ah bon, c'est pas grave. Mais... génial. Génial, les gars. Profitez de ça. Voilà, elle fait un câlin à sa chatte. Ne voyez rien de bizarre dans ce que je viens de dire. Le temps qu'elle trouve des habits, lui il a le temps de faire son sport. Bon, c'est quoi les gars? Je pense qu'à la prochaine scène on va s'arrêter parce que c'est quoi ce truc? Quel est l'intérêt de voir un mec s'habiller, une meuf, c'est parce qu'elle fout. Je sais pas à quoi sert ce truc en fait.
foutre des bouchons à chiottes, tu vas aider là. Ouais, bouchons. Et sinon, il y a des succès dans le jeu ou ça se passe comment? Oui, il y a des succès en plus. Regardez-moi ça, le plein des escorts en plus. Regardez, ça rapporte rien. Regardez la souffrance. On dit 4 points. Il y a que du 1PR, les gars. Il y a que du 1PR. Donc tu dois subir pour débloquer ce que tu ne sais pas comment débloquer. Alors imaginez sans faire exprès, vous posez votre manette pour le PC et ça appuie sur le LT pour vous commencer. Juste imaginez. Hein. Incroyable quoi. Même la musique, elle est claquée. Bon, vous savez quoi, les gars? On va s'arrêter là, je pense, parce que là, ça commence à bien faire. Voilà, ils se rencontrent. Encore une musique claquée au sol. Ah, vous avez vu la tête de la meuf? Quand j'ai switché de filtre, je passais de pixel à flou et elle avait le visage qui changeait. Bon, c'est quoi les gars, on va s'arrêter là, d'accord, on s'arrête sur la dame. Voilà, j'en ai trop vu. C'est bon, ça m'a déjà gavé les couilles. Je sais pas combien de temps de vidéo on est, mais voilà, ce n'est pas un jeu. Franchement, le seul truc intéressant, c'est quand on l'a vu sous la douche. Et encore, non, mais au bout d'un moment, les gars, enfin, à quel moment tu... Enfin bref, et dire que ça va se vendre, ça... encore heureux qu'on m'a donné la clé, mais en fait, je m'attendais à un vrai jeu, tu vois. Parce qu'en fait, les problèmes, les gars, sur Kemeller, c'est que t'as pas tout le temps des captures ou des vidéos, etc. Et je m'attendais à un truc un peu mieux. Alors, je m'attendais pas à un gameplay de fou, mais je m'attendais de temps en temps à des sortes de mini-jeux, tu vois, comme un Mac Pixel ou une connerie comme ça, tu vois. Je m'attendais à des petits mini-jeux, genre des petites scènes comme ça, etc. Mais avec des petits mini-jeux où tu joues, là, y a rien. Tu visionnes des images avec une musique pourrie, ça parle en anglais, il n'y a pas de français, en plus de ça, les sous-titres, ils sont inexistants, et c'est en anglais aussi, enfin, juste, non, il y a des trucs qui vont pas, les gars, je suis désolé, et voilà. Alors, à part, juste avant, là, quand on a vu qu'on a changé le filtre de la photo, le visage de la meuf, là, il avait changé, mais franchement, les gars, c'est inintéressant, qui va acheter ça? À part peut-être certains Américains qui aiment bien ce délire. Mais qui va acheter ça? Franchement. Et pourtant, Limited Run Game, ils ont déjà fait des jeux qui étaient beaucoup plus intéressants que ça. Hein. Mais là, malheureusement, désolé de dire ça, mais ils sont tombés bien bas. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Vous allez me donner, vous, votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est le jeu de l'année? Ou alors, vous vous êtes fait chier comme un rat mort. Et je vous comprends, même moi, en faisant cette vidéo, je me suis fait chier comme un rat mort. D'accord? Mais en tout cas, c'est ni à faire ni à refaire et c'est inintéressant au possible. Voilà, tout simplement. Bref, likez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas, comme d'habitude, dans la description, les gars, sous les soutiens de la chaîne, lien de la chaîne Twitch, chaîne de mes réseaux et lien d'affiliation à Stand Gaming. Je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao.